Quand je travaille le portrait, je ne travaille pas forcément une personne réelle. Je pars aussi de photos que j'ai prises moi ou que je trouve sur Internet ou des screenshots de films. Mais rapidement, je laisse tomber la photo et je travaille le portrait lui-même, donc la peinture elle-même. J'esquisse assez rapidement la structure du visage. J'essaye de donner une émotion par la peinture, aussi par le choix des couleurs. Je reste pas sur une gamme de teintes de la peau, donc je pars parfois sur des roses, sur des violets. J'efface une partie du portrait. J'ai envie ça soit vraiment un face-à-face, donc en général je le cadre assez serré et je le laisse apparaître et disparaître. Donc je ne fais pas de contour autour de la tête par exemple. Voilà, donc il reste un petit peu, il flotte un peu entre le réel et l'imaginaire.